Hungry and angry. Another food riot breaks out on the streets in Algeria. The world food crisis is growing. Desperate times call for desperate measures, and for the millions of people around the world struggling to buy the most basic of foodstuffs, these are desperate times. The image of troops at rice distribution centres is fast becoming a regular sight in Asia. Rich countries are racing to buy and lease agricultural land abroad and secure their food supplies for the future. Africa, known for its fertile lands and low-priced agricultural real estate, has become the target of wealthy investors. Demain, il y aura la guerre de l'alimentation. C'est pourquoi des pays comme l'Arabie Saoudite, la Corée, comme la Chine qui achètent des millions d'hectares, parce que ce sont des pays qui savent qu'ils ne pourront pas se nourrir dans le futur. Depuis la crise alimentaire de 2008, les investissements dans la terre ont explosé. Les acquisitions foncières se sont multipliées de façon exponentielle. Nous avons deux tiers de notre territoire qui est désertique. Et le désert est traversé par le fleuve Niger, donc il offre des possibilités d'irrigation extrêmement importantes. Donc il y a encore du potentiel pour ceux qui veulent venir investir au Mali. The first generation of land grab was called colonization. We've been through that. Today, these land deals can be structured really in a way that they benefit the local communities, but also the investors. Those investors, our private sector partners, that are going out and doing the straight land grab, fully mechanizing and not in any way bringing in small growers or community, you might as well put yourself in death row. That project will not last. Socially will not last. I mean, this is a classic problem across the whole continent in different versions. Clarity of land, who has land, who doesn't, how do you negotiate? We've moved away from not talking about it. We now have to move to actually being able to do it. Africa has a very critical asset for food production for the global community. Nearly 60% of the arable land worldwide that's available today is in Africa. And it's estimated that nearly half of the hungry people are also farmers. So farmers are not producing enough to eat. C'est nous qui produisons l'alimentation pour ce pays-là. 75% de la population du Mali crée son propre emploi à travers l'agriculture familiale. Et c'est le gouvernement qui vient détruire le travail de ces 75% aujourd'hui, au nom de l'investissement. Parce que vous ne pouvez tout prendre à un paysan, tout, mais pas sa terre. Parce que la terre, c'est la seule chose que le paysan possède. First works, the first office block, 50 offices, two dining rooms, two places for prayers. So this is actually centered where the fields will be when we develop them all. Okay. This will be almost centered because it occupies an area quite west of the center. That is fabulous. Finally. Finally something. Finally something. Finally yes. The beginning. Good. Okay. Okay.
Nima Nedeljković is an American agricultural developer who has built sugar plantations all over Africa. Now Nima is finalizing plans for a vast industrial sugar operation in the center of Mali, one of Africa's poorest nations. If successful, his plan, known as the Makala Sugar Project, or SOSUMA, promises to kickstart the industrialization of Mali's economy. SOSUMA intends to lease 200 square kilometers from the Malian government in the country's most fertile farming region, the Office du Niger, for a plantation and factory. The plan, to build more than 200 sugar pivots, means that thousands of local families, many of whom have farmed here for generations, will lose their land. When SOSUMA takes control of the land, Nima is asking these displaced farmers to become contracted sugarcane growers, each one cultivating a small portion of the vast plantation. The innovative part of the project is that we're very much looking at a core operation with small independent outgrowers. The beauty of this, if you will, is creating a whole series of independent farmers around us. So as we develop 70 hectare pivots, so we'll be 6-7 families or so that will tend to those 70 hectares. So we're actually creating a new class of commercial farmers that will grow out over time. The independent small grower out here with his millet, the family with their 1 or 2 hectares, they've lived in here the way they did the same families 300 years ago. There's no change. By bringing them into larger schemes with value-added production, you're bringing the small farmer into the value chain. It's giving them a reason to produce more than what they eat. Not mami, we're not doing the kafu. Kajad kubera. Mbare abina kaka jamanana. Amba fe kadona na kera abi gelia misoro ako fanyi. Mɔgɔ tɔnw na yan nɔ ko min bɛ dumuni kɛ ko siɲɛ saba kɛ tile kɔnɔ o ti yan gouvernement de y'a di ka dugukolo di projet ma gouvernement de y'a di anw nɔ tɛ anw nɔ tɛ a ma di anw ɲɛna a kuma gale ma fɔ anw ɲɛ a ma sara anw na gouvernement de y'a di k'u b'a fɛ k'u kɛ fantanya kɛlɛ fantanya de bɛ mali la yan. Musow baara tɛ yen mɛ anw na anw yɛrɛ kun nana kalaforoko minɛ mun na kalaforoko u y'a fɔ an ye an muso an ka nafa caman bɛ kalaforo la. Nago foro b'a la ka di aw ma san kalo 12 fo ni muso min kɔni tɛ se ka fɛn kɛ n yɛrɛ ye o kɔni o ye an musow hakili don baara in fɛ kosɛbɛ wa an b'a la. Ne tɔgɔ ye Kasumu Jara ne si bɛ san 60 n wolola dugu min na o ye sunkɔ ye n b'o de kɔnɔ yan n bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ n ka muso ye muso saba bɛ n bolo den 16 de bɛ n bolo. Ayi maasi bon ne fɛ ne yɛrɛ ka so maasi tɛ fanga yɛrɛ a bɛɛ bɛ jɛ ka baara kelen de kɛ ɔ nka a bɛɛ jɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ komi i n'a fɔ a ka taari bi saba a bɛ taari bi saba bɔ. Nka tari bi saba in kɔni kɔnɔ fini b'a la fɛn o fɛn bɛ sɛnɛ an fɛ kaba b'a la ɲɔ tiga cogoya fila b'a la ani ka taa bila sɔ la a bɛɛ b'o kɔnɔna na an m'an ta de sɔrɔ an m'an ka balo sɔrɔ an ta in de la sukarokala in a nafa t'anw kan ne ko fɛn sɔrɔ a la e mɔkɛ y'a ta k'a la e fa y'a ta k'a la e yɛrɛ bɛ k'i ta k'a la san si mɛ tɛ wuli ka taa maa wɛrɛ dɔrɔn k'a y'a di yan k'a dun wariko na tɛ don min ti ban o ye nin ye nin ye tiɲɛ de ye a ti ban.
Mom aboke, haglita tu ufe. Agriculture is a culture, it's a way of life. And every time you change a way of life, you create uncertainty about the distribution of benefits and risks. And so these debates are an integral part of changing any cultural system. Ani yoroni de anno du kere bi ni ni yoroy tarikele yi furu la ya wi ni juru ni de ni o mine na to ya tri ni to ka fi o tarikele ni e re mine ke endre sien ko la ko la ko nye amine ke chowo chowe na mi bo sa ko na ni bo kalo duru kalo woro ko na o yano ka bait na to nye ni o na be je le taragu e mine mo ke Angu kwa me mive anga dukulu leka tuwa mulu. Alibi alaka ambe dukulu leka tuwa mulu. Dukule nguli le abiko miye jamana kile deche. Don ame mi ndon, anye te yoro vera la fana kafo ni perimetri mifleni nuko kubo obosha ona. Dukulu vera tu bulo fana kuko kubo odauma. Ante. Ni wari kanga don. Faraja lebi wari don. Nili ya wari tila. Ni otale kaboko chama kenyonga ko bna kuno dauma ko ko ngadu ko le duma he ni valere ko do wa valere ko do anga du ko valere ma valere kaboy kaboy akatmai angram go akatmai His involvement with Sosuma began well before the world food crisis. The Malian government approached him in 2000 with the goal of transforming Mali into a sugar exporting nation. We initially identified, if you will, the project, conceptually speaking, a little over 10 years ago now, beginning 2000. It's a complex public-private project, and it is the first of its kind in the size that it is. So getting all the pieces in place in Mali, it takes longer, it's more difficult. Sosuma is now a $600 million partnership between the government of Mali, MIMA's Louisiana-based consulting firm, and Africa's largest sugar producer, Illovo Sugar, from South Africa. It's financed by 17 lenders, including the African Development Bank, the South Korean Export-Import Bank, and the Saudi-based Islamic Finance Corporation. Nick, how are you? Well, see you. Good. Very good. C'est le PCA. Monsieur le avocat du ministère de l'Industrie. Ah, excellent. Il travaille beaucoup sur les projets maintenant, n'est-ce pas? Although construction work at the factory site has begun, the complex package of loan agreements is yet to be ratified by the Malian government. Until everything is finalized, Mima and his partners are paying for rising costs out of their own pockets. By way of introduction, there has been progress on many aspects of the project since the board last met in May. But really, we're not moving as fast as the Sosuma board had expected. But if we can clear out all of the remaining issues, it will allow the African Development Bank to conduct its project launch. Okay, just a quick update. As at 31st of October, our total spend is $16.8 million. And this was primarily because of the increased ramp-up in spending in the current 10 months. J'ai bien entendu les souhaits exprimés par le président et également par le représentant. Donc je me ferai fort de porter fidèlement ces préoccupations à mon ministre. Bon, merci. Je pense, pour conclure ici, je peux tirer peut-être une leçon. Les délais, maintenant, sont des coûts réels. Ce sont des gens qui sont sur place. Tout ce qu'on ne gère pas maintenant en délai, ce n'est plus gratis, ça coûte. Donc, essayons tous de démarrer les choses le plus vite possible. Laissons tirer. Merci. OK. All right. It was
États-Unis. Ça va, ça va. Ah, bâton rouge, bien. C'est pas possible. Je viens sans voir le maire. Bon, maire. Là, là. Merci. C'est une procédure longue, mais en train de finir pour trouver tout le financement encore. Il faut aller aux actes. Plus de discours, ils veulent voir le contrat. Il ne faut pas attendre. Vraiment, les dernières conditions sont à la main de l'État. On essaie même d'y arriver à tout pour pouvoir faire la pause première. Voilà, c'est ce que je veux. Le président avant qu'il finisse son mandat, parce que lui, c'est fini en mai. En mai. One of the problems that plague peasant societies, smallholder societies, is that peasants don't own their land. They date from a time before there was land ownership. So when you have people who belong to this vastly different kind of land regime, they're vulnerable to any force of the state or a company that can come in and literally pull the resources out from under their feet. The question is, who owns Africa? Who owns the land? Is it the people of Africa, the ordinary farmers who own the land, or is it their governments? Only about 10% of Africa is under European-type entitlement. So that means 90% of the land belongs to who? The Office du Niger farming region is the creation of the French colonial regime dating from the 1930s. To grow rice and cotton for their empire, the colonizers seized millions of hectares. They dammed the Niger River and cleared the land for industrial farming. Bien avant la colonisation, bien avant la construction des barrages, il y avait déjà des villages sur cette terre. Ce sont des villages qui existent depuis plusieurs siècles. Et après la colonisation, le gouvernement malien s'est approprié ce titre foncier. Donc, depuis cette période, on a assisté à une négation des droits des communautés qui étaient sur ces terres-là. Donc, on a fait comme si ces gens n'existaient pas. Ibrahima Koulibaly is the head of the Malian Farmers Union and an architect of the global food sovereignty movement. Until 2008, Ibrahima had spent his career working with the Malian government to improve its agriculture policy. La souveraineté alimentaire, c'est tout un concept politique qui veut dire qu'un pays décide à un moment de produire leur propre alimentation, de créer des mécanismes de non-dépendance au marché d'importation de l'alimentation. Donc ça s'accompagne avec véritablement donner aux paysans tous les moyens qui leur permettent de produire mieux, de transformer mieux, de mettre en marché et de vivre dignement de leur travail. Aussi, il y a toutes les dimensions, préservation de la biodiversité, refus des OGM qui sont des systèmes de dépendance des multinationales. Donc toute la dimension de l'agroécologie aussi fait partie du concept de souveraineté alimentaire. After years of Ibrahima's lobbying, Mali became one of the first countries in the world to adopt food sovereignty as government policy in 2006. C'est avec nous que le gouvernement a fait la nouvelle politique agricole du Mali. Et nous avons élaboré une très bonne politique agricole qui reconnaît la souveraineté alimentaire, qui reconnaît l'agriculture familiale, qui reconnaît qu'on doit donner la sécurité foncière à l'agriculture familiale. Mais c'est cette politique-là qu'on est en train de piétiner aujourd'hui. C'est devenu juste une opération de captation d'argent aussi. Et c'est pour ça que nous sommes déçus. When the world food crisis struck in 2008, Ibrahima saw his role transform. As the government began leasing land to foreign investors like the Libyans, Chinese, Ukrainians, Saudi Arabians and Senegalese, Ibrahima dedicated himself to fighting the violence and abuse that accompanied their arrival. Il n'y avait pas de
niya blale mo bla ka fa ko mangoro sun hine de kama do ko ma hine kama de o ya bla ko yere hine kama de do parce que ka pose wati mana se obito sirele ka ko lafie bo no ta kuma sara obatika obita obatika ka bo ka ta na anu ye bo mu fliama ka kurani yanga ye nere ti teni bisai ke soro kana ne yalo ni paka paka do bubu kana yalo kana furu kuma ni sagara anna ne sin ka bara dal koy bo war keni miso aya furi bi kwaka kwa mana kai mu ko te an ba ko zara ta ku kon ko do nya kana ara ki ti zara ko ma ko mo san ni ku ka ci buna ci ana doko ayutut ces terres ne doivent pas être cédées de cette façon là c'est l'état malien qui crée tous les problèmes il y a une violation de l'ensemble des textes qui régissent le foncier au Mali, il y a eu violation de toutes les conventions que l'État malien a signées en matière de protection des droits de l'homme. Il y a un Il y a un peu de temps. Ou bien à Tchèque à Tari Yere. A quel enfant anti-malien du Rudy? Nous avons organisé un forum avec les communautés au cours duquel l'ensemble des chefs de village sont venus pour exprimer leur opposition totale au projet cyclier. Nous sommes en mairie, là, ça n'a kuma, ani kuma na bayo simbara. Olu debe ko nyere ama jawye o ama ka dukolo mnaola. Dukolo e jamana tani. Ni jamana mako selama abam nola. Umana uma kontra fu nyene ka papier signé en nous nyonyo ka foko ube ka benga ka ube ka klaka yoro do yira lo ka wota sikino onu yero munu bi 2 minutes lo ka ka ko no olu de bi fara nyonga ko sa ko ka ton siki o de publicité ka makala radio sola a intérêt de makala radio sola en a publicité ka kala bo o de ku mbade ba onga. Sosimar has polarized opinion between the many villages in this area. Often less than a kilometer apart, some villages wholeheartedly support Sosimar, while others are staunchly opposed. For us, it's clear the community, the local population must buy in. So we have been spending a lot of time with the local population, both the village elders, the chiefs, to envision what this place could become. Anche. Comment allez-vous? Madame, comment ça va? Soyez les bienvenus. Vous allez, mettez là, pour traduire, je pense. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. On peut discuter avec notre ami qui il est parti, j'ai compris, il était chez nous là, en Zambie. Oui. N'est-ce pas? Absolument, oui. Absolument. Alors, tiens qu'on a. Et ils n'ont vu que du bonheur, rien que du bonheur dans ce patelin-là. Ça, c'est bien. Ils leur ont posé la question de savoir, si on vous dépossède de vos terrains, qu'est-ce que vous allez faire pour nourrir? Ils disent que l'argent qu'on gagne à la canne, il y en a qui peuvent gagner 3 millions jusqu'à 4 millions. L'argent, ils peuvent... Ils peuvent le mettre de côté, le garder de côté. Ils peuvent l'épargner. Excellent. Alors, Radio Sous, ça va faire un fembea. Amba, publicité Gabela. Il dit qu'ils font la publicité dans toutes les radios. Il y a 3 postes de radio ici. Ils sont en train de faire la publicité dans toutes ces radios. Ce qu'il veut maintenant, sa dernière parole, son vœu le plus absolu,
Vraiment, il faut que ce travail commence et que ça aille vite. L'année prochaine, il vient. Les grands argentés que vous êtes, ne vous déclinez pas. Non, jamais. On le conclut ensemble. Ok. Ok, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup. When Sassaman does begin planting, local farmers that lose their land must make a choice. Either they sign up with MIMA and begin farming sugarcane on the Sassaman plantation, or they opt out and are given a new piece of land outside the project area as compensation. Land isn't the only valuable commodity here. To make way for the pivots, Sosuma must cut down thousands of karate trees used to make shea butter, an important source of income for local women. We have some karate trees there. That one, yeah. Now, those that have to be removed, yeah, that, I mean, that's where we have the issue. We have to replant them. We replant more than the number that we take away. The grafted species of karité can produce after 6 years. Yeah. So then the population actually gets a young productive tree versus the old ones. Yeah. So many of these are not even producing anymore. That's right. So it's a real win-win. Well, they have a few years, they won't have any income though. Sosuma's funding from the African Development Bank comes with conditions attached. They must follow strict guidelines on involuntary displacement or the treatment of farmers who lose their land because of the project. Bonjour, Mandalé. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va bien. Je vais le montrer à notre ami, quoi. L'article sur le... Oui. A series of attacks at the sugarcane site is complicating matters. J'avais un dernier. J'ai lu dans les documents qu'il y avait des réticences encore des populations. C'est encore plus grave. Les obligations de Sosuma n'ont pas été respectées envers les populations. C'est pour cela donc ils sont réticents par rapport au projet. La sensibilisation, elle continue même aujourd'hui à travers les radios locales. Mais ce qu'il ne faut pas attendre, c'est une adhésion à 100%. Là. Ça, je vous dis, elle n'existera jamais. Il y aura toujours une certaine minorité, pour des raisons propres, qui va essayer de revendiquer. Ça, ils n'ont pas compris, ça a exacerbé, ça a réveillé. C'est avec les partis politiques, quoi. Tout ça, c'est à la faveur de la politique. C'est des jeux d'intérêt. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est incontestable, je vous l'affirme, il est incontestable que la très grande majorité, l'écrasante majorité, est pour la gestion de ce projet-là. S'il y a déjà des réticences, il faudra savoir que c'est un problème extrêmement délicat et que le déplacement involontaire demande une programmation, un suivi très rapproché. Donc c'est aussi vraiment une autre paire de manches. Moi, j'ai pas beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi? Parce que les normes qu'on s'est fixées dans le cadre de ce projet sont si élevées que, à mon avis, bon, il y aura toujours des problèmes. Mais je ne vois pas de problème majeur à ce niveau. The minority who is opposing the project have put fire on the cane field. And very recently we have had one of our security guy that have been attacked. That's why we will need a physical presence of the government security to make sure that you know, such things will not happen again. Ça va? Ça va bien? C'est vous le grand chef. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Et vous, ça va? Oui. Ça marche? Ben, ça va, la santé, ça va la mieux? L'entraînement, ça va. J'ai commencé à travailler il y a 3 jours. Ah, bon. Mais ça va très bien. Les plaies sont cicatrisées, ouais. Mais la plaie qui est sur le cœur, ouais. Il faut que j'ai le premier paquet de sucre entre mes mains. Comme ça, la plaie du cœur va se cicatriser. Ok. Non, ça, sinon, ça cette plaie va continuer toujours. Hein. Non, ça, ça va se réaliser. Voilà, Inch'Allah. Ça va se réaliser. Inch'Allah, ouais, Inch'Allah. Ouais, ouais. Dans tous les cas, il faut continuer comme vous le faites, oui. Ne pas être violent. Non, du tout. À rester dans le cadre de la loi. Oui.
et à également dialoguer. Absolument. Moi, je suis pour ce projet. Je ne te dis rien que toi qui n'es pas dans le projet. Je m'en fous de toi. Mais moi qui suis pour le projet, pourquoi tu veux m'embêter? La Rigérie qui est de l'autre côté, là, au moment où on voulait l'aménager, là, il y a eu des opposants. La suite, ceux même qui s'opposaient, ils sont venus. Ouais. Bon, c'est tu ça n'as pas du projet, tant pis. Je m'en fous. Je te laisse parler, je te dis tout ce que tu veux. Tu fais des balivernes, tu racontes tout ce que tu veux. Moi, je passe. Mais moi aussi, pourquoi tu peux m'empêcher, pourquoi m'empêcher moi d'être pour ce projet? Pourquoi? Voilà. Ok. Hein? Voilà. Okay. Voilà. Faites bonne route. Merci. Voilà. Allez. Change is difficult for everyone. It's more difficult for those that have had the least change, that traditionally haven't had change, because they don't know it. I mean, it's the unknown. But the key is the scratch peasant farmer to become slowly, with time, small commercial farmer, and then a larger commercial farmer. But if you want to be so respectful that you say any change you might input is not good, then you know what? Pack your bags and leave. Then what's the point of being here? What is the point of being here? Ngo kwa follow ready yango duguye ya. Pasi a kuma ere dungali. Ukode ko dugu de bina wuli. Alo ne ere nuka ngo yarima nyako sobe. Ngo sungo manga sigi wuli. Oni ko ko ibino wuli. Ko ibo ko bola. Dugu munu sigi de bita samba kele wuli mate munu yare haka do. Ko wuli te upma kacha do ni wuli. U angu malade kwa yuri follow de kasi gini wuli. Sungo ere follow kanga sigi wuli. Wuli wuli fanyi. On behalf of the Partnership to Cut Hunger and Poverty in Africa, I want to welcome you to this symposium. We are honored that we have the Minister of Agriculture from Mali. Welcome, Minister. In this case, I will help translate for the Minister.
We are partners after all. We have been for 10 years in Mali, so this is only an extension of the partnership. Nous avons été frappés comme tous par la crise alimentaire de 2008-2009. We were all equally struck as others have by the food prices of 2008 and 2009. Nous avons voulu apporter une réponse structurelle à cette crise. Donc, il y a, que je vous ai dit, qu'on a 2 500 000 hectares de terres irrigables, sur lesquels nous avons à peu près moins de 500 000 qui sont aménagés. Nick, it's me, Ma. I think we got a bad connection. Can you hear me okay or not? Cut off. I'm trying to get the date for closing all of the financing by end of the year, so we can get on with our groundbreaking. That's the target. Okay, Nick. Can you hear me? I'm outside now. Hopefully we got a better connection. Can you hear me okay? Has the minister responded to your letter on that December launch? All right. So in a kind of a back astral way, we're getting there. I mean, this project, Markala Sugar, Sosomar, is the definer of projects. I mean, this will be the largest investment of its kind in agro-industry in Africa today. You know, Africa's coming to its real fruition in terms of real business and real potential coming up, so this is not the time to hang up the boots. Je salue moi, nous sommes très heureux d'accueillir tout ce beau monde qui est là aujourd'hui et qui représente toutes les sensibilités d'organisations au niveau mondial qui luttent contre ce phénomène d'accaparement des terres. La donne a beaucoup changé après la violente crise alimentaire de 2008. À l'époque, nous avions pensé que c'était l'occasion pour les hommes politiques de véritablement commencer à s'occuper de l'agriculture paysanne familiale. Mais on estime qu'aujourd'hui, plus de 30 millions d'hectares de terres ont été cédés à des investisseurs en Afrique. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les législations, même dans les pays, ne permettent pas de faire ce que les gouvernements sont en train de faire. Ils sont dans l'illégalité totale. Et c'est pour ça que nous avons créé cet espace de dialogue pour élaborer une stratégie concertée et aller dans une démarche d'ensemble. Je vous remercie. We're beginning to see real anger about people losing their land. And we know already that many civil wars, a lot of social conflict, is driven by land grievance. Particularly in Africa, Rwanda, there were elements of that, certainly Sudan, Liberia, Sierra Leone, South Africa. So we can expect a lot of conflict, a lot of protest on the issue of, is this our land or is this government's land to give away? C'est que les gens, Mali Djigné de Kundo, Nyon Djigné Kundo, Fini Djigné Kundo, Kiningé Djigné Kundo, Tchai Djigné de Kundo, c'est oui. N'y a si vous êtes Kana Djigné. Au Fougou, Domina Anna. Au Koumana, Angé Moumine la Kundo Kassoura. Donc, quand j'ai eu ma réclate, ma traite à terminer, Angé Moumine de Blalo, là, quand j'ai eu ma réclate. Nous partons dans une nouvelle phase des luttes aussi au Mali. Donc nous voulons créer des cliniques juridiques et nous sommes en train d'instruire deux procès contre le gouvernement du Mali, notamment pour la zone de Sansandengue et aussi pour Sanamandougou. Les campagnes ne vont pas suffire. Il faut que le gouvernement se sente en difficulté parce qu'elles vont perdre des procès. We're not trying to impose timelines on anybody, okay? But we do want everybody to work out with us a set of timelines which are realistic and achievable, and then everybody commit to actually getting there. We have to get it done this time. Cheers, man. Ciao. Nous, quand même, notre souhait au niveau de la banque, c'est une implication du ministère de l'Industrie pour accélérer ce processus. Mais eux, ils envoient tellement de dossiers qu'il y a beaucoup de dossiers qu'on n'ouvre même pas.
C'est clair, hein? Parce que chaque jour, on en a. C'est difficile de les suivre. We apologize for working. Autre chose aussi, il n'y a pas que ce soit. Non, non, bien sûr, vous avez autre chose. Mais je pense aussi que, vu qu'il y a des actions quand même urgentes à entreprendre, on ne peut pas attendre quand même indéfiniment. Nous aussi, on veut vraiment aller de l'avant. On comprend ça, mais on ne peut pas faire le reproche au ministère de négliger les affaires de l'Ile-de-France, c'est pas possible. Non. Ceux qui doivent maintenant faire diligence pour que ça aille rapidement à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale statue, nous-mêmes, nous ne les maîtrisons pas, ils ne relèvent pas de nous. C'est nous. We have to go to the National Assembly to be ratified. And after the ratification, then they can we will launch it. On va donner une date précise. Nous vous tiendrons au courant, au jour le jour, hein, de tout ce qui adviendra du dossier. That's fine. We all understand that well. But we need a roadmap through to the end of this process so that people can see what steps are going to have to happen in what order. We don't have one just now, and we're crazy if we just say, well, let's go one step and then see where we are after one step. We're mad. We're irresponsible. Oh, God, that was horrible. Let's get back and have a dig through that mess. If we want to carry on defending this current timeline, then we would have to ask the board now, this board meeting, for another 70 million rands, okay? Another 10 million, 70, another 10 million US dollars, just to take us through to March. Okay? So to de-risk this thing, basically anything that's a new commitment to the project, we stop it. We stop it, and we stop it like now, almost like a crash stop. Yeah. But still, I think there are options that... It's a simple fact. The money's run out. There's nothing left in there. Yeah. Let's look at the bank account. It's zero. How much can I spend out of zero? Zero. Thank you very much. Okay, so that's... We're all understood about that. So now, what happens next? Yeah. Allahu Akbar. Mali, you know, I have a personal issue in that might be not even 100 kilometers from here. Back in 1990, so it's what, 20 some years now. I had a major car accident that I lost my father. I survived, I don't know why, maybe to do this. So at certain points, even when the president said, why are you so titty, why are you so hard-headed in making this go? It's completely difficult, bag it. I said, no, I can't. It has to happen because at some point when this is up and running, and as the area is developed, and we've seen the change in the people, and it gets going, I will then go left in that road when we turn right, another 100 kilometers to where that accident site is, and say, okay, let's break the spirit now. Mami, on t'a dans Zambi. On y a un cafo, tiens, là, on y fait mi, est-ce qu'il nous met à quoi? N'a pas une, ou quoi si qu'on d'ailleurs? Qu'on fout de qu'on d'ailleurs? Mon roi, il faudra qu'à la fou, ou à tabi. Olubé mami ni banana uka marakona na ebu furake fu ma angoni onzere ko lawuri na angoni banana mta furake fu la ni tare mta furake fu la anyi zambi ta chomi ne ngacho andare I mean for me my mean for anye we ni ala sokwa sokwa natina ka ato fo anya sanyo nda senga bina ambassade debe bana ona na so la bara mi onwe debe do bara la nga bara chia. These farms, if they are structured properly, they will start to function, in fact, as schools training Africans to upgrade their labor. And this is Africa's weakest link, is the absence of enterprises through which people can acquire practical skills. Mm.
And when I go ahead to go up in our dam, no one does it. You could be here in the one of the one of it. And it's a head of it. Never do you attack it here in your. Is it going to go this summer? Should we running into the caretaker administration waiting for elections to happen? When we enter election period, it's more difficult. Well, how important is it for the president to have a groundbreaking while he's still president? Very important for him. As a matter of fact, the minister herself, she said to the prime minister, we think that we may be ready for groundbreaking in December. What needs to be done? What still can be done or should be done must be done informally. I guess this is my real question. I'm sure formally we're doing everything. Yeah. Ça va? Alhamdulillah. Ça va bien? Tu vas bien? Mima n'est le Covid. Très heureux. Mais ce qu'on va faire en plus d'emplois, c'est créer vraiment des fermiers qui commencent indépendants, qui commencent à aller vers le moderne, qui commencent à maîtriser l'irrigation, qui vont commencer à maîtriser les machines agricoles, les tracteurs, etc. Donc ça, pour moi, c'est encore plus valeur ajoutée. C'est ces 40%, ces gens qui vont devenir vraiment indépendants. Parce qu'on ne peut pas tous rester avec un demi-hectare et tout, chacun essayer de vivre son petit lot. La zone office du Niger, j'allais dire, était donne du ciel, inexploitée, en tout cas insuffisamment exploitée. Et avec un tel projet, je pense que les potentialités seront davantage mises en valeur. C'est vrai. La seule chose, je peux dire, si deux fois l'administration est un peu lente, pour finir les dernières choses pour le bouclage, je connais le pouvoir de la politique. Je reviendrai. Nous sommes là. Je pense que c'est un peu comme les États-Unis, hein? Dans ce sens-là. Nous sommes là aussi. C'est une démocratie, je sais où le pouvoir. Il s'agit de l'intérêt de nos populations et nous allons nous y impliquer. Exact. Merci. L'élite politico-administrative en Afrique est, pour la plupart, haïssent le secteur agricole. Ils ne le disent pas, mais c'est une forme de haine pour ce qui a été souvent le socle même de leur propre existence. Parce que la plupart ont été formés à l'école de la colonisation, je pense. En fait, c'est des gens complètement déconnectés des réalités, qui ne voient que comme modèle l'Occident, les États-Unis, l'Europe. Et c'est pour eux le modèle, il n'y a pas d'autre modèle. Au lieu de chercher les vraies raisons, les vrais moyens pour développer l'Afrique, ils passent le temps à rêver, à transposer des modèles qui ne pourront jamais s'adapter chez nous. C'est pourquoi je me sens encore plus de responsabilité de me battre du côté d'autres personnes qui croient qu'on ne peut pas avoir un pays stable, on ne peut pas avoir un pays qui se développe si la majeure partie de la population est marginalisée. Face à son devoir de sauvegarder la Constitution, la force républicaine de l'État a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. En conséquence, Mali's coup came just a month before the presidential elections. Soldiers angry about the government's handling of a separatist uprising in the north rebelled. The government simply melted away.
This past year, the administration had put in a caretaker government waiting for the elections to happen. Nobody was making decisions. And that frustration, ironically, was what the military felt when they weren't getting responsiveness to fight the war up north. In a kidding sense, I was thinking with our partners, maybe we should have invaded the Ministry of Industry because they were not responding. The next day, Sasumar began to withdraw all its foreign employees. Banks froze their lending to Mali, and Sasumar's funding dried up. Neighboring investors that had ignored the needs of local farmers continued with their industrial operations, while Mima's more progressive dreams lay in tatters. There'll be a lot of disappointed people. A lot of disappointed people. Mima turned his attention to Nigeria. We are now developing a major rice project. As the country tries to wean itself off decades of oil dependency, Nigeria is aggressively courting agribusiness investment. To make sure that farmers can get the subsidized inputs, we have stopped treating agriculture as a development project because it is not a development project. Agriculture is a business. It's got to be structured exactly that way. Thank you very much. As you said in your presentation, agriculture for me, you know, has to be scaled up. Yeah. At the same time, that does not mean a land grab. So for us, the critical part is all of our projects integrate the community and the contract growers, independent growers, peasants, call them what you want, but the individual various growers are brought into the scheme. What do I see in Nigeria? The minister of the government says, okay, here's our vision. This is how we envision to develop agriculture in our country. Okay, that's good. Thank you. All right. Appreciate it. All right. We did not get that from Mali. That vision and that concerted commitment to the vision was not there. For Ibrahima, the coup seems like an opportunity, a chance to return to the food sovereignty policies of pre-2008. Les gens me demandent, mais comment ça se passe dans votre pays après le coup d'État? Mais nous, on a applaudi le coup d'État. C'est pas parce que nous voulons l'armée au pouvoir, mais nous assistons à une élite pourrie qui sont là pour gober toutes les théories qui tombent du monde. Banque mondiale, FMI, États-Unis, Europe. But as with Mima, his path is clouded by the uncertainties of Mali's future. J'aimerais être plus positif, j'aimerais être plus optimiste. Mais imagine qu'après le coup d'État, un ministre se permet de venir dire que les paysans n'ont pas le droit de posséder la terre. Moi, je suis persuadé que là où on va, si on ne renverse pas la vapeur, en Afrique, ça va exploser partout. Anna mala ko ni kudete na a barba ga ta tabulu mi ga na karate ko na amma nga fu na taru ko du gulu on ni nyimani nga ko shiti tike ko ni e oni so jabi tike foko za dana pa ga here ben ni be ga kamne ne ni fa ben na ni tana kana si za su du gulu ndi kana na barka dala ni ni ne mi mi ne ni gulu lo be so ngobe ni gulu Où les tanks là, on y fait un flop flop mais comme ça, on y a un gars sous ma camarade. Parce que sous ma ri, fragile t'as les loups, lui il n'a pas raqué. Manga mandu lui, nous y manga mais yoro, bijou. Où yoro comment? Animosité que tant qu'à faut qu'on a barré abîmé que ou bien atteint que.
o jiro ko ne o amina tiere la no ta aya ngondo gondre amema la fonela ko ne aner du kunkuni nyetle saba ka minda ka miri onga barab da ka fuyoa abina ka chumia onga tado abina kun ke chudi jamana abina la chudi nyetle saba de kola. We are told the ones who come coming. You would think in 2012 that things would be getting better for the global poor. In actual fact, they are being assaulted on all sides. Farming's becoming harder with climate change, water is less available, and then on top of that, they are facing whole new levels of vulnerability of their land rights. Do we expect them to take this lying down? Or if we're more realistic, will we see a 21st century agrarian population resist? And could this lead to quite significant social conflict and even civil war? On ne peut pas avoir un pays stable si la majeure partie de la population est marginalisée. We've moved away from not talking about it. We now have to move to actually being able to do it.